Amen. Amen. Nous saluons encore une fois dans le nom puissant de Jésus et nous souhaitons nos bienvenues et bonne participation. Comment nous y aimons, bien-aimés? Très bien, Jésus. Comment Dieu était pour nous? Pour toi, Seigneur. C'est ça. Nous bénissons Seigneur pour ça. Nous disons bon Dieu merci parce que il était avec nous depuis le commencement. Jouk nan fayan, ite avek nan depi mwa te komanse jouk jodi ya, ete toujou la. Nou beni nan seigneur, ite avek nan depi maten, jiska minute sa, ite toujou la. Grâce la toujou akompanye nou. Nou di bon Dieu merci pou sa. E mè beneme jodi ya, c'est jour pour nous étudier parole mon Dieu. Donc nous connaissons le saison le qui consacré à étude parole mon Dieu. Donc loin toute distraction. Principe 3B à appliquer, nous besoin Bible nous, bloc notes nous et bic nous bien stylo nous pour nous capables passer moment d'étude ça pour nous capables grandir dans connaissance parole là car nous besoin instrument ça pour nous faire pour nous étudier parole bon Dieu. Et comme nous connaissons toujours un petit temps pour nous faire un rafraîchi mémoire pour de ça que nous t'es ouais. Et qui est-ce qui est capable de dire dernière fois nous t'es rencontré qui ça nous t'es étudié côté nous t'es de qui ça nous t'a parlé. Nous Apocalypse 2 verset 25 nous t'a parlé de lumière et règne de la cité céleste. Très bien. Apocalypse 22, le verset 5, qui t'a parlé de lumière et règne. Très bien. Dans la cité céleste. Très bien. Et qui ça nous t'a dit sous parole ça? Dans ce qui a trait à lumière et règne dans la cité céleste là. Ça nous t'a dit sous ça? Qui ça nous dit? Pour qui ça nous t'a parlé de lumière et règne? Hein, qui Jean, pour qui ça nous t'a dit ça? La parole de Dieu, dans Apocalypse 22, 5, là, qui ça nous dit? La nuit ne sera plus et. Qui ça pas gagné? Il n'y aura pas besoin de lumière. Et pas jam fait nuit encore. Moun yo pas besoin ni lumière lampe ni lumière soleil. Parce que mettre là bon Dieu va éclairer yo. Li va yon lumière pour yo. Le ça y a gouverné pour tout temps. Et qui est-ce qui lumière? Dieu. Très bien. Et lumière ça, nous te dit que c'est lumière présence bon Dieu. Et lumière présence bon Dieu, nous te dit que l'ipral chasser tout fait noir. Tout fait noir. Yes. Donc lumière présence bon Dieu pral rempli tout petit coin. Dans la ville céleste là. Lumière ça, pour elle remplir la ville là. Donc c'est ça que fait la parole de Dieu dit nous là, eh bien, il n'y a pas besoin, il n'y a pas jamais fait nuit encore. Il n'y a pas besoin ni lumière lampe, ni lumière soleil. Et, bon, l'autre bagaille que nous t'ai dit, qu'elle disparaît, lorsque lumière ça, rempli toute ville là, bon bagay que nous te dit cap disparaître, non pas pour elle encore, parce que qu'elle gagne une sécurité parfaite. Nous te dit pas de place pour injustice encore, injustice, yes. Insécurité, pas de place pour aucune menace encore,
ou insécurité. Pas de place pour le monde, vient faire personne peur. Pas de place pour aucun danger encore. Pas vrai? Yes. Tout bagage ça yo a disparu. A disparu. Merci Seigneur. Et qui ça nous pral faire? Tout le monde qui va résister yo. Qui côté y a pied? Y a pas Tout le monde qui va résister, yo. Oui. Et c'est qui est-ce qui peut régner avec Seigneur? Monde qui lutte jusqu'au bout, celui qui veut. C'est ça. C'est ça, parce que lui bien dit, ils régneront. Il a gouverné pour tout le temps avec elle. Donc, vous pouvez régner avec Christ pendant le royaume millénaire. Pas oublier, notez donc que chapitre, Apocalypse chapitre 20, les versets 4-5, là, il était suggéré non que, notez folie, notez ouais, qui est-ce cap là? Là. Qui monde qui peut régner avec Christ? Là? Et pas tout le monde, notez dit. Non. Et pas tout le monde. Il y a une catégorie. Et gon différenciation qui fait clairement. Donc tous les saints régneront avec Christ sur la terre. Il n'y a pas de différenciation claire dans la Bible entre le règne éternel et règne terrestre. Yes. Est-ce que nous avons là? Amen. Amen. Merci Seigneur. Là, Frère Semio, il est bien dit, nous prenons le régner avec Christ. Et ce n'est pas tout le monde. Non. Faut que nous inscrivions dans le livre. Dans le livre. Yes. Faut que nous inscrivions dans le livre. Là. Faut que nous gagnions nom, faut que nous gagnions soasou. Souffrons. Faut que nous inscrit souffrons. Yes. Pour capable, il y a accès à ville ça. Merci Seigneur. Donc en gros, c'est ça que nous t'ai parlé, nous t'ai dit que résident ville là, eh bien, il opère au service de Dieu. Très bien. Yo pral au service de Dieu. Yo pral adorer roi des rois. Yes. Net aller. Parce que c'est lui-même qui pral point central là. C'est lui-même qui pral dans mi-temps nous, dans mi-temps peuple là. Donc tout le monde qui pral dans ville ça, tout résident ville ça noté d'où, yo pral au service du roi. Yo pral en bas l'obédience roi. Yes. C'est yo même yo pral au service, yo pral sous direction roi. Et c'est ça que fait yo pral participer dans le règne. Et ça que la Bible dit là, il a gouverné le ça, il a gouverné, ils régneront au siècle des siècles. Yo pas gouverner, yo pas régner pour un certain temps, yo pas régner pour un petit temps. Yo pral régner pour tout pas temps. Peut-être qui ça parce que yo pral jouer rôle prêtre roi devant Dieu et Jésus-Christ pour toujours. Yo pral atteindre plénitude sacerdoce là. Le nous va arriver dans cité céleste là. Ou pral atteindre plénitude dans sacerdoce là, sacerdoce universel là. Songez qui promesse qui était faite, notez d'où ça, dans Exode 19, le verset 6, côté, il était initialement accompli parmi tout le monde qui était craint mon Dieu en Israël, et bien dans le moment ça, il pral atteindre
li pral atteindre plein accomplissement lorsque Saint-Esprit va déverser. Vous songez parole ça dans acte 2 17 1 Pierre 2 9 sacerdoce là sacerdoce universel lorsque il était venu li répandre l'esprit il pas de son tribu encore il était venu répandre l'esprit sur toute chair il était venu former un royaume de sacrificateurs. Donc il pas joindre réalisation pleine réalisation dans la nouvelle Jérusalem. Le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple de Dieu, c'est eux-mêmes qui vont régner avec elle pour tout temps guettant. Songez, notez, font référence et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28, et qui te dit, lorsque tu parles de Dieu sera tout en tous. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur. Donc en gros c'est ça que nous t'avons la fois dernière. Okay. Et je dis à frère monsieur mieux. Pardon. Oui, nous t'avons parlé tout. Nous t'avons parlé tout de caractéristique la vie éternelle. Deux. Nous disons pas que nous t'avons parlé de caractéristique l'éternité. Oui. Prophète en subordination, prophète transformation. Reprenez pour tout le monde. Nous avons parlé du prophète restauration, prophète administration, prophète subordination, prophète transformation, prophète identification, prophète illumination et prophète adoration. Très bien. Et qui ça nous te dit ça yoye? Qui ça nous te dit ça yoye, c'est? Caractéristique, la vie éternelle. Très bien. C'est ça, mes bien-aimés. Très bien, compliment. C'est, en gros, c'est tout ça que nous te ouais la fois dernière. Et je dis, on a continué avec Apocalypse 22, hein? Cette fois-ci, nous allons entrer dans la deuxième partie du chapitre. Ça. Et le nous garder, première section que nous te prenons, les versets 1 à 5, il était présenté nous, si nous bien garder, il était présenté nous, vision glorieuse, Nouvelle Jérusalem. Non. Ouais, il était présenté nos visions glorieuses Nouvelle Jérusalem. Là. On parle ouais l'Église, les côtés, il montrait nous l'Église des rachetés, des élus, donc côté yo régner, yo pral régner pour toujours. Ouais, yo pral régner pour toujours. Ça veut dire que yo pral rentrer dans la gloire. Côté lumière, yo pral entrer dans la lumière resplendissante Seigneur. Ya. Bon Dieu, ouais, vous pourrez rentrer dans la gloire de façon pour tout temps guettant. Et notez ouais que vision ça, mes bien-aimés, les constituer en quelque sorte et conclusion, grande vision, différentes visions que apôtre Jean te recevoir sous l'île Patmos là. Nous, ouais, vision ça, les constituer conclusion, en quelque sorte. Et, qu'on y a, la partie que nous allons entrer là, il va permettre, nous, ouais, ça nous est capable de considérer comme dernière section. Et c'est dernière section ça que nous allons entrer là-dedans, qui formait un épilogue. Ou bien une grande conclusion. Est-ce que nous avons? Amen. Dans la partie que nous allons entrer là, dans la section que nous allons entrer là, les pral servir comme une grande conclusion. Nous sommes capables de dire son conclusion générale. Conclusion générale qui pral gain rapport à tout livre Apocalypse. Dans la section que nous allons entrer là.
Parce que, et ça qu'il faut praloué, dans la section que nous prenons entrer là, et nous praloué que parole que nous prenons joindre là, c'est les pralgues, nous prenons joindre là-dedans, yo, des témoignages, nous prenons joindre là-dedans, yo, exhortation, nous prenons joindre là-dedans, yo, avertissement, nous prenons joindre là-dedans, yo, tout, certitude, plus ou moins, et qui rattache yon à l'autre, qui connecte yon à l'autre. C'est ça qui fait, même si nous pas ta trop bien saisi lien logique, même si nous pas ta trop bien saisi lien logique yo, mais yon nan bagay pour nous clé sou li, message qui passe dans l'Apocalypse là, il est très clair. Est-ce que peut bon Dieu avec moi là? Amen. Amen. Message que le Seigneur fait passer dans le livre Apocalypse là, révélation, il est très clair. Et il est important pour nous chrétiens. Et ça fait pour le comprendre. Livre Apocalypse li offre nous en pile diversité. Li gon diversité la donne. Ça veut dire que diversité que nous joignons dans livre Apocalypse là, li révèle nous tout yon unité. Amen. Est-ce que nous là? La diversité qui gagne dans le livre là, li ban nou tout yon unité. Et yon unité qui était capable de dire qui virait autour de deux sujets importants. Deux sujets principaux qui c'est premier bagay là. C'est fiabilité contenu livre là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout ça que nous joignons dans le livre Apocalypse là, yo fiable. Ça veut dire que yo vrai. Amen. Premier sujet important. Premier aspect important pour nous kembe dans le livre ça. Que diversité a ban nous pendant que ou ap gade différents événements, li décrit différents événements, li ban nou divers actions, divers points, divers détails, eh bien, ou ap gade diversité ça, en dans diversité, en dans différents points, différents sujets que nous jouons en dans livre là, et puis gon unité la dan. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Yon unité mwen dou ki ap viré autour de premièrement fiabilité ya. Ça que nous joignons dans livre la li fiable, li vrai et nous pral wè ça. Non ou nous wèl déjà mais nous pral wèl dans conclusion ça non diou la dans deuxième partie ya nous pral rive là. Deuxième point important, sujet important, c'est proximité de retour Seigneur. Proximité avle di, yon bagay ki pa loin rive. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Sak nan livre la, livre, et Jésus pa loin retourne. Alléluia. Amen. Gen deux éléments sa yo mes bien-aimés. Yo vin c'est eux même qui base espérance chrétienne non et l'on garde fiabilité ya li important et Christ qui pas loin tourner important et bien deux éléments ça yo yo vinn ban nou yo assise yo fondation dans espérance chrétienne non. Et c'est peut-être raison ça
que le Seigneur mettait sous que nom pour nous étudier livre ça. Et c'est ça que fait le n'a pas étudié livre ça. Nous venons garder que le Seigneur a parlé avec nous et l'a invité nous après parole ça yo que nous joignons dans livre Apocalypse là. Non seulement étudier yo, mais mettez yo en pratique, kembe yo, kembe parole sa yo, serre parole sa yo dans cœur nous et vive dans sainteté. Amen. Pas contre si nous avons non? Amen. Amen. Non seulement tout ça que nous joignons dans livre Apocalypse là, qui Amen. 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 Merci Seigneur. Ok. Non seulement nous recevons. Merci Seigneur. Amen. Non seulement Liban nous parole pour nous kembeur. C'est pas pour nous juste tendre pour tendre. Mais c'est pour nous garder. Et de l'autre côté, c'est pour nous vivre dans sainteté. C'est pour nous vivre dans sainteté. Ça veut dire marcher dans sanctification. Car nous, ouais, tout ça que nous voyons dans le livre Apocalypse, toute parole ouais, que le Seigneur porte pour nous là, à travers le livre, ça, il montre nous clairement, tout le monde qui va arriver, tout le monde qui va rentrer, dans la dernière demeure, dans le dernier côté, dans le côté là préparé pour nous, dans le côté là préparé pour nous, dans la ville céleste là, nous voyons que c'est le monde qui marche dans la sanctification. Yes. Et ça fait, ou pral, ouais, épilogue ça, dans la section ça que nous pral entrer là, eh bien, il pral fait nous comprendre. But livre Apocalypse là. Objectif de l'apocalypse, c'est pas seulement ban nous consoler les chrétiens, non? C'est pas seulement porter consolation, non, pour chrétiens, yo. Nan mit en bataille, nan mené sous terre ça. Parce que expérience, nos passages, nous sous terre ça, l'irrité yo combat. Le combat Amen. De la foi. Ouais? Amen. Tout pendant que ou existe sous terre ça, mettez bien en tête tout, que ou nan yon combat. Et c'est ça, apôtre la relé, le bon combat de la foi. C'est ça qu'on va mener là. Et c'est ça, le livre Apocalypse, j'en en pile monde, contrairement à ça, en pile monde mette dans la tête, yo, c'est un livre pour chrétien peur. Non. Non seulement l'hypothé consolation pour vous, dans le combat, mais si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez qui ça qui est là dans vous. Ou après, vous connaissez son livre malédiction, ou son livre qui fait peur, parce que moi, c'est Apocalypse. Non. Ma Apocalypse avait dit malheur, nous te voyons ça déjà. Non. Non seulement pour tes consolations pour vous, et c'est là où vous en tant que chrétien, gardez tout ça que le Seigneur t'a réservé pour vous. Gardez toute parole, gardez tout ça que ou même qui vous nouez pour l'informer au consa. Qui vous nouez pour te révéler tout bagage ça yo à Jean sur l'île pas comme ça pour vous. Premièrement pour chrétien qui te persécuté dans temps. Et pour tout chrétien pour tout temps. Et que vous-même, vous vivez aujourd'hui, il pour tout. Amen. Dans le temps de bataille là, dans le temps de combat, il pour ton consolation pour vous. Pour mettre bien en tête pour connaître qu'on pas bataille pour grand messie. Ou pas goumé pour grand messie. Non. Parce que sanctification, son combat que lié. Pour marcher dans sanctification, il faut qu'on goumé. Pour marcher dans la sanctification, il faut lutter. Parce que c'est pas c'est la coule douce liée pour vivre chrétienne au jour le jour. Et bon bagage facile lié, mes bien-aimés. Et ça fait les leçons combat. Donc, dans le temps combat, vous jouez une consolation là-dedans. Et pour l'autre côté, tout, les vins communiquer nous une exhortation pour nous vivre dans la sainteté. Il vient exhorter nous pour nous marcher dans la sanctification.
Et ça fait dans la deuxième partie, on a gagné pour thème sainteté. On a gagné pour thème nous, sainteté. Et nous prenons différents sous-thèmes, nous prenons à travers différents versets que nous avons gagné pour nous étudier ensemble. Dans la deuxième partie, là, qui va sortir dans verset 6 pour arriver dans verset 13. On apprend dans 6 pour arriver dans 13. Après ça, on apprend l'autre partie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À nous lire pour moi, besoin volontaire. Qui pour lire pour moi les versets 6 à 13. Amen. Amen. Apocalypse 22, verset 6 à 13. Apocalypse 22, le verset 6 à 13. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Amen. Très bien. Dans le texte que nous sortons là, mes bien-aimés, nous prenons faire un petit exercice de découpage. Nous prenons regarder à travers différents versets, eh bien, qui ça que nous joignons dans différents versets ça que nous sommes lits là. Apocalypse 22, les versets 6 à 13. Comment nous sommes capables de découper pour nous capables d'étudier verset yo, pour nous capables d'étudier très bien. En nous regardant tout d'abord le verset 6, après ça, l'ange l'a dit moins. Parole ça yo, c'est vérité. Tout le monde doit croire yo. Bon Dieu met là, lui-même qui mettait parole li dans bouche prophète yo, c'est lui-même qui voyait ange li a vinn montrer serviteur yo ça qui pral rive avant longtemps. Qui ça moi là? Notez ça. Le témoignage de l'ange. Ange là à témoigner. Mettez ça. Après 22, le verset 6, Zangelan a témoigné. Est-ce que nous avons là? Amen. Amen. Qui ça me dit dans verset 6 là? Le témoignage de l'ange. Si, très bien. Zangelan a témoigné. En allant pour 7, verset 7. Il dit,
Jésus dit, écoutez, m'a vini tal le consa. Bénédiction pour monde qui écoute parole bon Dieu qui dans livre ça. Bon petit verset ça, qui sont identifiés là. Jésus a tourné. Oui, Jésus a tourné. Mais c'est qui ça Jésus fait là? Il a annoncé. Oui, il a annoncé retour. Pas vrai? Mm-hmm. Yes. Jésus a annoncé retour. Donc, nous devons considérer là, tant qu'il y a un témoignage. Le témoignage de Jésus? Oui, Jésus témoigne là tout. Mm-hmm. Il a annoncé retour, son témoignage. Mm-hmm. Identifié Zangelin, Jésus, à nous garder les versets 8 à 10. À nous garder qui est-ce qu'on y a qui est entré en action. Moi-même, Jean. Non, parce que qui s'en fait cette taille, c'est moi qui dis ça. Côté. Jésus. Oh, ok. Hein? Moi-même, Jean. Moi, tendez bagaille ça, yo. Moi, ouais, yo. Après, moi, fin tendez yo. Après moi fin wè yo, moi tombé à genoux nan pye zanj qui te fait wè yo wa pour m'adorer li. Mais li di moi non pas fait ça. C'est servi m'a servi bon Dieu ensemble avec yo. Ensemble avec tout frère yo qui prophète bon Dieu. Ensemble avec tout monde qui a obéi parole qui dans livre ça. C'est bon Dieu pour adorer. Après ça, il dit moi pas serré parole bon Dieu qui dans livre ça parce que en fin longtemps toute bagaille ça yo pral arriver. Amen. M'attendo. M'attendo oui là. Jean a témoigné. Jésus témoigné. Qu'est-ce qui témoigne comme hier? Jean. Très bien. Qui Jean commence? Ou pas dans le dit? Verset 8. Moi-même Jean. Verset 6. Jean a parlé. Verset 7. Jésus parlé. Verset 8. Jean, verset 8 à 10, Jean témoignait. Jean parle. Jean témoignait. Amen. Merci Seigneur. En nous gardant les versets 11 à 13, qui ça nous est? Pas oublier, nous te dit, thème, section ça, c'est sainteté. Sainteté. Et tout ça nous bon là, c'est sous thème, yo, témoignage Jean. Témoignage de l'ange, témoignage Jésus, témoignage Jean, et nous pourrons regarder quatrième point que nous joignons dans le verset Sayo. Quatrième point, nous joignons dans le verset 11 à 13. Qui ça le dit? Il dit, méchant yo met plaider a fait toujours ça qui mal. Moun ki pa nan condition pour faire service bon Dieu yo, met continue faire ça qui pa d'accord avec service bon Dieu. Moun ki bon yo met continue faire ça qui bien. Moun k'ap vivre pour bon Dieu yo, met continue vivre pour bon Dieu. Jésus dit, koute, m'a vinn talè kon sa, m'a pote récompense m'a bay la avèm pou m'bay chaque moun sa yo mérité d'après sa yo fait. C'est moi-même qui a accès. C'est moi-même qui premier à dernier. C'est moi-même qui commencement à finissement. Quatrième point, c'est exhortation pour nous chercher sainteté. On va avec nous? Les versets 11 à 13,
eh bien, c'est exhortation à rechercher la sainteté. Ou pas dans des salles, ou pas, il dit, monde qui pas dans la condition pour faire service bon Dieu, mais continue à faire ça qui pas d'accord avec service bon Dieu. Oui. Après, qui ça le dit? Il dit, monde qui bon, il met continue à faire ça qui bien. Moun kap vive pour bon Dieu, yo met continue vive pour bon Dieu, la sainteté. Rechercher hein, la sainteté. Pas oublier, il te dit nous, rechercher d'abord qui ça? La paix et la sanctification. Sans laquelle, il va dire laquelle non, sans laquelle, ça veut dire que sans sanctification, sans sainteté, pas de monde qui a privé là. Pas de monde qui a privé là. Et c'est ça le vindou là. Et après, le film dit ça, monde qui a vécu pour bon Dieu, il met continue à vivre pour bon Dieu, et me lui dit, Jésus reprend, ça le dit dans verset 7 là. Il reprend, bon, redondance que le fait là, et bien, il retourne, il dit encore, il dit, écoutez, ma vine t'a le comme ça. Cette fois-ci, le film dit ma vie t'a le comme ça, dans cette qualité bénie, et au verset 11, au verset 12, qui ça le dit? Il dit qu'on y a ma pote récompense là. Je vais récompenser. Yes, je vais récompenser. Ma pote récompense là avec. Alléluia. Pour le bail, chaque monde. Ça y est, mérité d'après ça y est fait. Amen. Yes. Ou pas joindre ça qu'on mérite en fonction de son fait. Si c'est la sanctification côté, eh bien, on va joindre ça qui marche avec sanctification. Amen. Si c'est pas la sanctification côté, eh bien, on va joindre ça qui réservé pour. C'est dans le péché qu'on a marché. C'est un péché à côté, c'est un péché au tap marché. Eh bien, on peut jouer ça qui est réservé pour tout péchador. Oui, ça, c'est au mérité. Oui, y a bon ça au mérité parce que bayo pas gagne force côté là-dedans. Pas gagne acheter figue, pas gagne faire mon plaisir. Vous comprenez? Ou t'es dans sanctification, ou a besoin de ça qui marche à sanctification, ou t'es dans péché, et bien ou a besoin de ça qui marche à péché, ou t'es spirituel, ou a besoin de ça qui marche à spirituel, et bien ou t'es chanel, ou a besoin de ça qui marche à chanel. Amen. C'est comme ça. Donc, nous avons quatre points que nous identifions pour vous. Dans la partie ça, dans la section ça, deuxième section, hein, qui c'est sainteté. Et comme sous-thème que nous avons témoignage anges là, nous avons témoignage Jésus, nous avons témoignage Jean, et nous avons exhortation pour nous rechercher la sainteté. Est-ce que nous avons? Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, en on parti pour premier point, non? Qui est le premier point? Le témoignage de l'ange. Le témoignage de l'ange. Très bien. Le témoignage de l'ange. En on garde verset encore, qui ça lui dit? Il dit, après ça, Zangelan, dis-moi, parole ça y est, c'est vérité. Tout le monde, doit croire yo. Bon Dieu met là lui-même qui mette parole li dans bouche prophète yo, c'est lui-même qui voyait ange li a vinn montrer serviteur yo ça qui pral arriver avant longtemps. Pas qui ça verset a commencé là. Attendez-nous. À qui ça a commencé? Il commençait par il me dit. Il me dit. Ah oui? Mm-hmm. Noël dit, il me dit. Là, qu'on y a une question qu'on a posé tête tout. Qui est ça qui dit Jean ça? Il bien dit son ange, pas vrai? Yes. Mais, il y a une référence, Jean ça, Jean connaît. Jean connaît.
et ces mêmes anges qui te qu'un des coupes yo sept coupes jugement dans Apocalypse 21 dans Apocalypse 22 le verset 1er a ces mêmes anges ça songe dans verset 1er a il te dit après ça anges là montre moi gros la rivière de l'eau qui t'a coulé sorti en bas fauteuil côté bon Dieu acti monton en téchita c'est de l'eau ça qui baille la vie pas vrai et ces mêmes anges ça que nous joignent dans Apocalypse 21 le verset 9 là côté lui dit yon nan 7 anges qui te ke de 7 go de plein ak 7 dernier calamité yo vin di mwen vini non mwen pral montre yo la marié ya fiancé ti mouton c'est même jan ça papa bon Dieu avo oui amen merci Seigneur c'est même jan ça qui tournait qui vin di Jean mes paroles là c'est même Jean ça qui tourne qui vient dire Jean parole ça yo parole que m'a dit là yo ou est tout sortant de là yo ou est tout sortant de là tout ça qu'on connaît là tout ça moi dit yo là ou capable trotter yo t'es capable trotter dans tête tout ou comprendre pour poser tête aux questions est-ce que yo vrai est-ce que yo pas vrai est-ce que c'est bagaille qu'a fait vrai est-ce que c'est de bagaille qu'a fait vrai il vient porter qu'il y a certitude là pour Jean il vient dire Jean parole ça yo c'est vérité merci Seigneur c'est ça que m'a parlé tout à l'heure dans l'introduction hein, de fiabilité hein de éléments importants ça yo fiabilité ya, et qui ça et proximité retour Christ là yes et ça quel dit il dit Jean parole ça c'est vérité mais on peut comprendre tout de suite après ange là Jésus parlait il y a monde qui fait quoi c'est Jésus parce que dans verset 7 là tout de suite Jésus dit il pas identifié ange encore qu'on y a dit c'est Jésus qui dit mais dans contexte texte là on peut comprendre que monde ça qui parlait avec Jean dans verset 6 là c'est même monde ça qui t'a parlé avec dans section précédente là lorsque nous sommes baroul là dans Apocalypse 21 le verset 9 là yon an qui t'a kembe 7 coupe yo et ces anges ça mes bien-aimés qui t'a fait Jean ouais nouvelle Jérusalem là non songe c'est lui-même qui t'a fait ouais épouse à Niwa. Et c'est lui-même qui t'a déclaré que serviteur bon Dieu yo et mais yo pral régner pour toujours avec Jésus. Est-ce que bon Dieu avec là? Amen. Et voilà que mes bien-aimés, c'est même Jean ça qui vient nous river kounia et qui vient dire Jean, ces paroles sont certaines et vraies. Ça veut dire que ça m'a dit là yo parole ça yo c'est vérité. Tout ce qui annoncé là yo, y a privé vrai. Donc bon Dieu a accompli tout bagage ça yo vrai, l'a fait yo vrai. Certainement l'a fait yo. Ça veut dire qui ça? Parole qui a rapport à qui ça? Parole qui a rapport à nouvelle création. Parce que tout bagage praler mais d'où le nous river dans phase ça ou pas arriver dans phase restauration complète tout ça que t'ai perdu dans jardin d'Eden là nous pas retrouver tout pas vrai amen amen nous pas retrouver tout donc bon Dieu a fait tout ça dit yo l'a fait ouvrir il a privé vrai. La nouvelle création son vérité que lié. La nouvelle Jérusalem son vérité que lié.
renier avec Christ, son vérité que lié. Serviteur ou pral ou elle face à face à son vérité. Et tout bagay sa yo, ça rappelle nous qui ça? Ça rappelle nous, ça Daniel te déclaré à Nebuchadnezzar. À propos de rêve, il te fait et explication que Daniel te baye. À rêve ça. Songez lorsque il te dit dans Daniel chapitre 2, le verset 45, il te dit le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Ça veut dire vrai et fidèle, pas de menti la donne. Amen. Bon Dieu avec vous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Pas de menti la donne. Donc, ce qu'on attend de vous là, c'est vérité que vous avez. Amen. Amen. Ça que Jean vient annoncer Jean, il vient montrer Jean là, il vient dire Jean là, c'est vérité, pas de menti là dans yo. Tout ça qui t'est annoncé yo, bon Dieu a fait yo vrai. Oui, ben oui. Parce que lorsque lui dit ses paroles sont certaines et véritables. Ouais, paroles ça yo. C'est vérité. Il ajoute pour dire, tout le monde doit croire. Ou qu'a dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et puis, ou Dieu se répète. Il vient un slogan pour vous, ces paroles sont certaines et véritables. Mais ou pas quoi? Tout qu'on a répété, ou répété tout. Mais est-ce qu'on croit? Et ça, quel doux? Tout le monde doit croire. Expression ça, qui ça le permet nous, qui ça le décrit nous. Expression ça là, pour le décrit, gardez bien pour vous. Si nous allons dans Apocalypse chapitre 1, on garde Jésus. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5, regardez qui ça le dit. Bénédiction à que posé qui sortit dans Jésus-Christ tout. Ou avem? Lui-même. Attendez bien, oui? Lui-même qui te baille vérité à Jean Lia. Lui-même premier petit qui levait sorti vivant dans la mort. Li même qui chef tout roi qui sous la terre, Christ la remet nous, li bay sans li, le li mouri pour te ka délivre nous en bas péché nous yo. Amen. Amen. Lorsque Zange nan prononce ces paroles ça, ces paroles sont certaines et véritables. Paroles ça, c'est vérité, oui. Où est ça, Jésus te dit? Hein? Où est-ce qu'elle te dit? Dans Révélation, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 là. C'est Jésus. Lorsqu'elle dit bénédiction que posé qui sortit dans Jésus-Christ. Lui-même qui te baille vérité à Jean Lia. Lorsque lui dit parole, ça c'est vérité, c'est Jésus-même. C'est parole, Jésus-Christ même. Pas de menti dans ça. Et on peut joindre les disciples de Jésus. Parole, ça décrit moun sa yo tout. Lorsque lui dit ses paroles sont certaines et véritables, ses paroles tout moun doué kwe. Li pou disciple Jésus yo tout. Ou pral wè sa nan Apocalypse 17. Si nan le nan Apocalypse 17, gade pou wè. Nou pral le nan Apocalypse 17, le verset 14. Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? Yon volontaire. Apocalypse 17, le verset 14. Merci Seigneur. Amen. 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 Apocalypse 17, verset 14. Il dit, il y a groumé contre Timoton. Mais Timoton va craver parce qu'il est chef, tout chef. Il est roi, tout roi. Il va craver avec mon palio. Mon bon Dieu, t'es relé. Mon, il t'est choisi
moun ki kembe se makri. Amen. Merci. Se ki sa yo? Ki moun sa yo, mes bien-aimés? Ki moun ke bon Dieu te rele? Ki moun bon Dieu te choisi? Ki moun ki kembe fe makli? Ki es yo ye? Nous-mêmes. Mais qui nous-mêmes, qui nous, comment nous relè? Peuple bon Dieu. Oui, peuple bon Dieu, qui est-ce? Qui ça nous y est? Ça nous y est pour Jésus. Petit-lui. Ça nous y est pour Jésus. La cohérité. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Yes. Mon bon Dieu, t'es relè yo. Moun li te choisi yo, moun ki kembe fè makli yo, se disipli yo. Amen. Moun li mette apa yo, yes. Se disipli yo, le disip de Jésus. Parol sa yo, li certain et véritable pou, li dekri moun sa yo. Yes. Et sa kè, ki so ye? Ou se petit bon Dieu, certes. Ou se disip Jésus. Ou cette petite vérité. Amen. Alléluia. Ou pas avec non? Ou cette petite vérité. Ou c'est fidèle. Et ça qu'elle dit. Ou cette petite vérité. Ou c'est fidèle. Et ça qu'elle dit vrai et véritable. Ça veut dire vrai. Les deux, c'est pas certaine et véritable. Ou je suis capable de dire vrai et fidèle. Véritable, vérité ou c'est petite vérité a, et ou c'est petite fidèle. Parce que bon Dieu, c'est le témoin fidèle. Ou c'est disciple Jésus, ou c'est fidèle, ou vrai et fidèle. Ça que parole ça, il décrit où? Et ça que nous montrons là en Apocalypse 17, verset 14 là. Et il décrit où l'autre bagaille encore, c'est la parole de Dieu même, qui c'est vérité. Nous prenons aller dans Apocalypse 19, en volontaire. Nous prenons lire pour moi le verset 9. Apocalypse 19, le verset 9. Jean-Jean dit, on met écrit bénédiction pour tout le monde qui est invité dans la réception, mariage, qui nous tombe. Après ça, il dit, parole sérieuse, c'est parole de Dieu, tout bon. Merci Seigneur. Alléluia. Vous entendez? Parole bon Dieu, yo certaine, yo véritable. Expression ça leur nous joint dans Apocalypse 22 à là, eh bien, il décrit la parole de Dieu tout. Non seulement il décrit Jésus, il décrit les disciples de Jésus et il décrit la parole de Dieu. Parce que il dit nous là, qui ça? Ou met écrit bénédiction pour tout le monde qui invite dans la réception Maria Timouton. Hein? Après ça, il dit, parole sa yo, c'est parole bon Dieu, tout bon. Amen. Yes. Et si nous allons dans Apocalypse 21 en tout, le verset 5, ou praloué, Apocalypse 21, verset 5, là, qui ça le dit? Il dit, le sa, moun qui te chita sous fauteuil, a dit, koulie ya, moi fait tout bagay vin neuf. Après ça, il dit, moi, ou mettre écrit ça. Parce que parole, moi, c'est parole qui est vraie. Parole, tout le monde doit croire. Alléluia. Amen, amen. Merci, Seigneur. Où est les anges en disant, ces paroles sont certaines et véritables? Où est-ce qu'ils savent les gens là? Ça veut dire que, les vrais gens, et ça que lui ajouter derrière pour Jean, il dit tout le monde doit croire. Parce que ça le dit Jean là, il dit c'est Jésus, il dit c'est disciple Jésus et puis il dit c'est parole la même qu'il a. Est-ce que nous avons? Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ouais. Et ça qu'elle dit là, tout le monde doit croire yo. Tout le monde doit croire ça. Parce que, en pile fois, mes bien-aimés, souvent, et bon Dieu, il décrit lui comme étant juste et véritable. Pas vrai? Et nous, ça,
nous voyons ça dans Apocalypse 15, le verset 3. Nous voyons ça dans Apocalypse 16, le verset 7. Nous voyons ça dans Apocalypse 19, le verset 2. Nous voyons, après le fait, il décrit bon Dieu comme étant juste et véritable. Et c'est ça qui fait, derrière pensée hébraïque là, ouais, derrière pensée hébraïque là, gagner et pensée hébraïque là même, derrière expression ça, ces paroles sont certaines et véritables. Les impliquer, une fiabilité totale. C'est ça qui fait dans l'introduction, on t'a dit, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants. Pour nous connaître, nous songez qui ça nous te dit? Yeah. Hein? Qui élément y était? Fiabilité avec ce. Très bien. Fiabilité, contenu livre là, de sujet principaux que nous te dit. Et c'est qui vient servir comme élément qui fondé, qui bat nous une solide fondation. Hein, solide fondation espérance chrétienne nous espérance que nous gagnons et mais les chita sous ça et ça fait nous dou fiabilité totale et ça qu'elle dit tout le monde doit croire yo parce que bon Dieu nous est juste et bon Dieu est véritable ça veut dire qu'il est vrai bon Dieu est juste il est vrai vérité à lui-même il est fidèle pas de menti dans lui pas de variation dans lui il pas flip flap ça fait bon Dieu avec eux c'est ça que fait Jean dit apôtre là et bien ça m'a dit là parole moi vinn dire là parole ça c'est vérité c'est vérité donc tout le monde doit croire yo et ça que moi dou penser juif là mais bien aimé pas penser hébraïque là eh bien, et dernière expression ça, c'est ça l'impliqué. L'impliqué qui ça? L'impliqué, moi dis ou, fiabilité totale. Ça veut dire que pas de menti la donne. Non, pas de menti la donne. Fiabilité totale. Là, on y a où, et ça fait l'ajouter derrière pour lui, il dit, tout le monde doit croire. Tout le monde doit croire parole ça. Tout le monde doit croire. Ça veut dire, l'on est certain et vrai, les fidèles et vrai. Parce que bon Dieu, tout ce qui dit là, yo, bon Dieu a fait. Yo. Mais pour qui ça? Vous êtes capable de poser cette question ça? Vous êtes capable de demander pour qui ça? Parole que j'entendais, yo, parole. Toute parole ça, mes bien-aimés, que j'entendais. Yo. Pour qui ça, parole ça, yo, yo certaine et vraie. Vous êtes capable de poser cette question ça, pas vrai? Mais pour qui ça? Toute parole ça que j'entendais, yo obligé pour tes précisions ça pour lui pour yo dire que yo certaine et vrai. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que regardez nan qui côté parole la sorti. Parole la fondée mes bien-aimés, parole la gain fondement. Parce que parole ça yo fondée sur une certitude divine. Pas de bien, oui. Ou pral comprendre ni dans suite verset. Ou pral comprendre ni dans suite verset. Attendez bien. Mais dis que parole ça yo gagné, yo fondé sur qui ça? Yo fondé sur une certitude divine. Est-ce que nous connectons avec moi? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Yo fondé sur une certitude divine. Et ou pral comprendre. Tendez ça Jean dit. Jean dit lui le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ouais? Il dit bon Dieu mette là lui-même, t'as de bien, oui, mes précisions. Hein. Lui-même qui mettait parole li, dans bouche prophète, yo. C'est lui-même
qui vont les anges liés vin montrer serviteur yo ça qui pral arriver avant longtemps. Tendez bien, oui? Dieu est d'abord appelé Seigneur. Parce que si là qui c'est bon Dieu fidèle là, c'est le Dieu fidèle à son alliance. Il était avec moi. C'est lui-même qui met parole lui. C'est lui-même qui met parole lui. C'est lui qui bail parole la force. C'est lui qui bail parole la poids. C'est lui garantit que tout ça qui sort dans bouche lui, c'est vérité. La paix bon Dieu avec vous. C'est lui-même qui va garantir ça, c'est lui qui va assurer ça, que tout ça qui saute dans la bouche, lui, eh bien, il est certain et véritable. Peut-être qui ça? Parce que les papes tournent, viennent joindre, sans que ça que le prononcé, ça qui saute dans la bouche, il n'est même pas arrivé, fait salgue pour le faire. En allant à Esaïe, chapitre 55, le verset 11. Volontaire. So Joanny dit Amen. Merci Seigneur. Esaïe 55, le verset 11, qui ça le dit? Esaïe 55, le verset 11. Merci Amen. Seigneur. Amen. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle? Pour ne pas te souvenir, te soucier de moi. Est-ce que je ne. Esaïe 55, le verset 11. En 55. OK. Amen. Amen. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli. Mes desseins. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous entendez? Pour ça tout, parole qui sorti dans bouche moi, li pa tourné vin joindre moi. Sans li pa fait, ça me te vle le faire. Ouais? Li pa tourné vin joindre moi. Sans li pa fait, ça me te vle le faire. Sans li pa fait, tout ça moi te voyer le faire. Il y a un premier bagaille, c'est ça me voulait le faire, et un deuxième bagaille, ça me te voyer le faire. Yes. Avec bon Dieu avec. Yes. Bon Dieu ça, il est fidèle à parole lui. Pas de menti la donne. Non. C'est ça que elle dit Jean, il est certain et véritable parce que bon Dieu ça, il pas qu'on bail menti. Non. Et ça que fait les deux paroles qui sont dans la bouche, li, la fait ça pour le faire et la fait ça le voyer le faire. Est-ce que bon Dieu avait là? Amen, amen. C'est ça que fait les deux. Bon Dieu, il y aurait le tout, le Dieu des esprits des prophètes. Il y a non ça tout, le Dieu des esprits des prophètes. C'est-à-dire, bon Dieu qui t'a guidé lorsque yo dit ou, le Dieu des esprits des prophètes. Gardez qui Jean, gardez qui Jean, Jean dit apôtre Jean. Gardez qui Jean dit, lui dit, gardez, bon Dieu met là, lui-même qui mette parole li dans bouche prophète yo, c'est lui-même qui voye ange li a vin montrer serviteur yo ça qui pral rive avant longtemps. Ouais. C'est bon Dieu ça qui guide pensée prophète yo parce que c'est bon Dieu qui mettait parole dans bouche prophète yo. C'est pas prophète yo qui parlait de par eux-mêmes. C'est pas prophète yo qui vient by blague. C'est pas prophète yo qui vient expliquer affaire par yo sentiment yo feeling yo. Non. Prophète yo était au service de Dieu. C'est bon Dieu qui mettait parole dans bouche prophète yo. Exactement, je parlais de le Dieu des esprits des prophètes.
C'est-à-dire le Dieu qui avait guidé les pensées des prophètes pendant tout travail prophétique, yo, pendant tout ministère prophétique, yo, et bien c'est pas à faire pas yo t'as réglé. C'est là que l'homme prophète jodi a dit et prophète, prophète ceci, prophète cela. Ou après le business pao. Ou après le affaire pao. Non, titre prophète ou baïté toi. Qui travaille le Seigneur confio. Qui salbo. Ou fait affaire pao. Ou fait affaire pao. Donc, il est inspiré par le biais de qui est? Par son esprit. Il était parlé à travers lui-même. Bon Dieu parlait à travers prophète yo, Ezakiel doula. Ni même qui te mette parole li dans bouche prophète yo. Et bon Dieu qui mette parole dans bouche yo. Donc mes bien-aimés, quand le Seigneur lui même qui te guidé prophète yo dans tant longtemps. Et de qui ça le fait kounia et ça le doula oui, kounia li di ou li voye ange li pour transmettre révélation. Mm-hmm. Est-ce que nous saisis côté nous hier là? Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Parce que ça qu'on dit verset a lui même encore lui répond côté parole la sortie. Lui répond pour qui ça? J'entendais que parole ça yo certaine et véritable. Mm-hmm. Yo certaine et vraie. Pour qui ça? Parce que l'ichita fondement li gen hein, l'ichita son certitude divine. Parce que bon Dieu pas changé. Bon Dieu pas qu'on vire langue ni. Non. Bon Dieu pas qu'on vire langue. Et c'est ça que li rive dans phase côté li voye ange li vin bay apôtre li a qui c'est serviteur li vin bal révélation. Alléluia. Li vin transmettre li révélation. Et ça fait révélation hein qui ça qui marcher derrière lui. Eh bien, ça qui marche derrière, ça qui suive lui, c'est que révélation, hein, eh bien, il y a même autorité divine que tout ça, prophète dans tant longtemps, t'es écrit. Je ne sais pas qu'on soit avec là. Amen. C'est ça qui fait, Livine fait comparaison ça. C'est ça qui fait, Livine Baïjan, explication ça parce que ça qu'a dit à la révélation hein li gen même force avec écrit prophète yo dans tant longtemps et ça fait ou pral comprendre ou pral remarquer à de non à de nombreuses reprises et ou pral remarquer que apocalypse là yo cite prophète yo les prophètes de l'Ancien Testament. OK, m'pa konn si ou remarquer ça. Amen. Hein? Nan en pile passage où elle a yo, eh bien, où elle gen en pile référence parole vision yo, tout ça qui dit yo, ou pas non pas ou pas ou non toujours al nan Ancien Testament avant. Yes. Oui. Voilà. Amen. C'est toujours même bagaille, ce qui veut que yo fait en pile allusion, en pile référence a écrit prophète yo à ça que t'es dit à ça le Seigneur t'es bail t'es dit à travers les prophètes de l'Ancien Testament et ça que Lévi dit Jean là lui mettait lui même qui mettait parole li dans bouche prophète yo c'est lui même qui voye ange li a vinn montrer serviteur li yo ça qui pral arriver avant longtemps qui vinn bail révélation qui vinn bail Jean révélation. Donc même l'esprit a c'est-à-dire le même esprit de Dieu qui t'a inspiré prophète Ancien Testament yo l'était à l'œuvre tout dans moment ça pour te bay Jean hein pour te parler à Jean à travers qui monde à travers anges pour te porter parole prophétique ça hein bay apôtre Jean. Yes. Côté parole ça li vinn accompli, li vinn entre son parole prophétique qui pral accompli toute prophétie qui t'est révélée autrefois à peuple bon Dieu. Mm-hmm. Est-ce que nous là? Amen. Merci Seigneur. Donc c'est ça que fait. Li pote précision ça pour lui, il dit
Parole sa yo, c'est parole vérité. Parce que bon Dieu a son bon Dieu vérité, il n'y a pas de changement dans lui, même il n'y a pas changé, pas de variation dans lui. Et ça le dit yo, il n'y a pas de monde qui va le mamoter, qui va dire non, il n'y a pas de ça me dédié, et il y a un modifié là. Non. Et ça fait déclaration ça, parole ça, révélation ça, que yo baye serviteur, que yo baye apôtre Jean, eh bien, yo certaine et véritable, yo certaine et vraie. Donc, yo pas, sans pas le comprendre, mais bien aimé, c'est que li pas limité. Parole ça qui parle là, Jean vient pote baye apôtre Jean, eh bien, ça pour comprendre, c'est que li pas limité. Il n'est pas limité à la dernière vision que l'apôtre Jean a fait de la Nouvelle Jérusalem. Saisis ça, Mabdinon, là. Ces paroles, ça, n'est pas concerné uniquement la dernière vision que l'apôtre a fait sous qui a rapport à la Nouvelle Jérusalem. La parole, ça, l'étend sur l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Ça veut dire, li étend sous toute vision yo. Ouais, li étend sous tout ça qui dit, tout ça que bon Dieu t'a révélé à apôtre Jean. Yes, très bien. Depuis le commencement livre là, jouk li rivé dans bout li. Parole ça a un rapport à l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Ça veut dire, c'est toute parole, livre ça, qui certaine et vraie. Par contre, c'est bon Dieu avec là. Merci Seigneur. Et c'est une raison, mes bien-aimés, tout de suite après parole ça fin dit, il déclarait tout le monde doit quoi. Tout le monde doit quoi, yo. Ça veut dire qui ça? Tout moun doué kwe liv sa. Tout moun doué kwe tout sa ki di nan liv Apocalypse la. Parce que yo certaine, yo véritable. Pa gen bluff la dan. Et tout sa ouwe ki di nan liv sa, ya fait. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ya fait. Pa gen menti la dan. Tande bien ki sa le dit. Apocalypse chapitre 1er. Le verset 1er. Ki sa le dit. Gardez qui j'en ai commencé. Il dit, mais révélation, bon Dieu te baille Jésus-Christ, pour te faire serviteur, yo connaît ça qui est pour arriver avant longtemps. C'est Christ là même qui voyait les anges, beaucoup de gens, serviteurs là, pour faire connaître tout bagaille ça, yo. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Il y a une discussion, ça. Merci, Seigneur. Ça veut dire qui ça, mes bien-aimés. Apocalypse, ça veut dire qui ça? Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. C'est ça lié. C'est pas un livre madichon, c'est pas un livre malin, c'est pas un livre problème, c'est pas un livre tête chargée. Non! Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ destinée aux serviteurs de Dieu. Amen. Afin que yo capable connaître avec certitude tout ça qui vient pour arriver et pour yo capable préparer yo en conséquence. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Akoute moun ka bin pour peur apocalypse. Pa koute moun ka bin pour peur apocalypse, pa koute moun ka bin dire non, c'est pas un livre qu'on capable manger comme ça, pas gen rien qu'on pas capable manger comme ça. Apocalypse dit encore, notez, c'est une révélation de Jésus-Christ destinée aux serviteurs de Dieu afin qu'ils sachent avec certitude ce qui doit arriver bientôt et qu'ils s'y préparent en conséquence. Mais pour qui ça me l'a? Le Seigneur fait nous moyens. Parce que c'est pour vous lier. Amen. Amen. C'est pour nous lier, c'est pour nous lier, serviteurs, servantes, bon Dieu, yo. C'est pour nous lier. Et sinon, bon, sinon, il n'y a pas besoin de bon nom. Il n'y a pas besoin de révéler nous. Pour qui ça? Côté espérance là,
Si nous avons expérience, nous pas même qu'on côté, nous pas même qu'on qui ça expérience là, en qui ça les constituer. Qui ça expérience là, sur qui ça côté aspect concret expérience là. Ou que c'est dans le livre Apocalypse ou autre. Ou que c'est dans le livre Apocalypse ou regarder aspect concret expérience chrétienne là. Là y a pas moyen là. Y a pas le de nouvelle Jérusalem ou pas même ou chanter le pour pas même qu'on s'allier. Ou pas chanter ou pas même qu'on s'allier, ou pas même qu'on qui ça qui la donne, ou pas même qu'on de qui ça le constituer, ou pas même qu'on caractéristique la vie éternelle là même. Il y a quelque chose. Son révélation que lié. Et c'est ça que fait lorsqu'on arrive dans le dernier bout là, où ça a été dit dans le verset premier, pour te introduire, les deux révélations de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Ouais, ce qui doit arriver bientôt. Ou est précision pour montrer à qui monde? À ses serviteurs. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pas à des étrangers, non? C'est pas à des étrangers, non? Non. Apocalypse pas pour étrangers, non, mais dis-nous ça, oui. Yes, amen. C'est pour petite caille. Amen. Et pour monde qui gagne non? Parce que c'est pas nous qui dit. Le livre là tout dit pour qui moun nié. Yes. Depuis le commencement livre là tout dit mais pour qui moun livre là y est. Ses serviteurs. Serviteur bon Dieu. Donc c'est dans même idée ça mes bien-aimés. On vient retrouver dans fin livre là. C'est dans même idée ça. Ou vous nous trouvez même sorti dans le commencement, et bien vous nous retrouvez dans le finissement. Lorsque lui dit le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Amen. Amen. Par contre, c'est pas bon Dieu avec nous là. Amen. Voilà, oui. Merci Seigneur. Alléluia. Lui dit, pour serviteur, il n'y a pas, oui? Serviteur. Mais qui ça, où t'as posé tête ou, monsieur est certain que la proté dans tête ou là? Ou a posé tête aux questions, si n'a pas les conseils de serviteur, et livre Apocalypse, il décrit clairement, parole là, écrit noir sur blanc, nous, elle est très bien, lui dit, c'est un livre, son révélation de Jésus-Christ pour montrer serviteur Lio. Même si c'est certain qu'on va poser tête aux questions ça là, qui sont ses serviteurs? Qui est-ce qui serviteur, mon Dieu? Il dit le livre là, oui. Merci Seigneur. Il va dire qui est ce? Très bien. Merci Seigneur. Qui dit jusqu'au bout, qui kembe jusqu'au bout, qui observe la parole de Dieu, qui marche dans la sanctification, qui commence, c'est mon saillot qui servit à mon Dieu. Très bien. C'est le nom de Jésus. Yes. Très bien. Mon nom est inscrit dans le livre là. Très bien. Merci Seigneur. Alléluia. C'est eux qui serviteurs. C'est ça que mes bien-aimés, et dans la que vous avez gardé de vous là, il y a eu tout le monde serviteur, il y a eu tout le monde servant. Oui. Et, mais il y a un pile monde qui est conscient que il y a loin pour être un serviteur, il y a loin pour être un servant. Il y a un pile monde qui est conscient de ça. Et qui connaît que il n'y a pas gagné rien à ouais à un serviteur. Il n'y a pas gagné rien à ouais à un servant. Et ça fait un pile monde qui a un titre, ou qui a joint des et des pasteurs, ou qui a joint des et des docteurs, ou qui a joint des et des évangélistes, ou qui a joint des et des prophètes, des et des apôtres, ou qui a joint des et des. Qui est ça quoi? Ou qui a joint des et des apôtres, des et des prophètes, des et des évangélistes, des et des missionnaires, ou qui a joint des et des diacres, ou qui a joint tout ça, ou qui a joint des et des. Et ça fait l'église bourrée avec. L'église bourrée à titre. L'église bourrée avec monde qui chargé à titre.
Mais l'Église, il y a très peu de serviteurs. L'Église, il y a très peu de servantes. Ou pas gain en pile serviteurs dans l'Église là. Ou pas gain en pile servantes de Dieu dans l'Église là. Pendant ce temps, l'Église a bourré avec monde. L'Église a chargé monde. Ou gain toute qualité de titre dans l'Église là. Moun yo gain tout titre qu'on connaît gagné. Yo gen tout titre que yo gagné, yo gen tout l'aime dou ça a yo y a marché sous titre bishop ah yo gen tout titre qu'on a gagné mais est-ce que le son serviteur c'est la question est-ce qu'on son serviteur est-ce qu'on son servante de Dieu donc c'est là mes bien-aimés. Et pas tout le monde qui est serviteur. Et c'est ça que les deux là, serviteur, ils ont caractéristiques. Ils ont caractéristiques qui marchent à lui-même. Et ça fait, dans serviteur, ou jouer un service. Donc, si pas gagner l'esprit de service, pas qu'à gagner serviteur. Si son esprit d'entreprise qui anime ou pas qu'à un serviteur. Si son esprit raquette qui anime ou pas qu'à un serviteur. Si son esprit cassé pour être monde qui habite ou pas qu'à un serviteur. Si son esprit, monde qui en face ou a son marchandise que lié, c'est dit ou a fait avec ou pas qu'à un serviteur. Son croyant qui animé d'un esprit de service. Donc, pas oublier, mes bien-aimés, le Seigneur fait alliance. Le Seigneur, qui c'est un bon Dieu, alliance. Eh bien, il servit et avec différents canaux pour communiquer avec nous, parce que bon Dieu, son bon Dieu de révélation que lié. Mais pour révéler nous à lui-même, pour révéler nous pour révéler lui à nous, eh bien, qui ça le fait? Lui, pour communiquer, pour révéler nous, pour communiquer nos révélations, eh bien, lui utilisait différents canaux. Il y aurait les ça canaux de communication. Et différents canaux de communication que bon Dieu utilisait, c'est que l'utiliser prophète yo, l'utiliser angeli yo, l'utiliser apôtre Jean pour arriver là, pour le bon nom, Apocalypse là, et l'utiliser Jésus lui-même comme canal de communication. Mais utiliser différents canaux, ça y est. Pour qui ça, mes bien-aimés? Nous sommes dans là. Pour qui ça le fait ça? Pour la propager plus bien. Et non, pas oublier, mais nous disons que bon Dieu, son bon Dieu révéla. Révélation. Et lui utiliser tout canal, ça y est. Différents canaux, ça y est, c'est pour le capable de communiquer nous qui ça? Pour capable communiquer nous révélation li. Mais na ki objectif? Nan objectif pour révélation ça capable toujours rive joine peuple li a. Parce que le pa vle quitter nous nan fait noir. Est-ce que bon Dieu a là? Amen. Bon Dieu pas vle quitter peuple li a nan fait noir et ça que fait te dit dans Osée 4:6 peuple là a péri faute de connaissance. Oh bon Dieu parler. Bon Dieu bay vérité a. Bon Dieu pas vle peuple li a péri faute de connaissance, le connaissance là, vérité a là, c'est ça qu'elle dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc li besoin tout serviteur li yo li besoin yo konnen vérité a et li besoin que yo rive konnen avec non seulement konnen vérité a mais konnen avec certitude mes bien-aimés. Mais konnen vérité a mais une certitude là. Mais sûr et certain. Et ça fait une certitude pour retour Christ. C'est ça que je dois camper pour dire oui. Moi sûr, moi certain le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les certains, les vrais. Lorsqu'on peut faire qu'on dit au monde, oui, Jésus a tourné. Amen. Yes.
l'a venu très bientôt. Très bientôt. Il y a proximité, mes bien-aimés, dans le retour de Christ. Il n'est pas pour longtemps. Très bientôt. Et ça fait que vous avez intérêt. Vous avez intérêt à ranger Chita. Vous avez intérêt à préparer. Parce que gagner. Nous improvise la donne parce qu'on pas connait qui joue, on pas connait qui l'heure, on pas connait qui date, on pas connait qui genre. Amen. On pas connait qui l'heure et ça qu'elle doit préparer. Donc bon Dieu parle les peuples y arrêter dans fait noir et il veut que on connaît avec certitude qui ça qui va le passer et comment pour préparer. Alors mes bien-aimés, le Seigneur fait tout travail ça pour vous. Libre toute révélation ça yo. Pour le faire connaître qui ça gagne pour arriver. Pour le faire connaître qui j'ai pour préparer. Et puis je dis à pour être insensible à ça. Pour je dis à pour être insensible à ça, pour être wapgade. Pendant que le Seigneur vous est toute parole ça pour vous, pour préparer. Et pour même vous être wapgade moun. Et pour être wapvire tout, tribou babo. Et pour pas préparer. Son privilège, mes bien-aimés. Amen. Son privilège. Quel privilège. Amen. D'avoir une connaissance sûre et certaine de Dieu. Mes bien-aimés, chaque jour, je dis, mon Dieu, merci pour ça. Pour privilège ça. Amen. Pour privilège que je me campe aujourd'hui à ma palais pour lui. Je suis capable de connaître. Je suis une connaissance sûre et certaine de mon Dieu maintenant. Nous avons une connaissance sûre et certaine de Jésus-Christ. Et nous avons une connaissance sûre et certaine de œuvres. Je dis, mon Dieu, merci chaque jour pour ça. Joue moi-même tout. Nous avons côté me braler. Joue moi-même tout. Nous avons côté me sortir. Nous avons côté me et nous avons côté me braler. Sans brocher. Nous avons certitude de côté me braler. Alléluia. Nous ne pas capable de virer. Nous ne pas capable de tourner dans la farine là-dedans. Non, ça, c'est bon Dieu qui fait pour moi. Amen. C'est bon Dieu qui fait pour moi. Quel privilège. Je ne vais pas jouer avec ça, mes bien-aimés. Amen. Pour jouer avec moi-même tout, j'ai accès à une connaissance sûre et certaine de Dieu, de Jésus-Christ et de ses œuvres. Qui m'ont moyé pour m'en assurer ça, de futur moi. Sans casse-tête. Sans casse-tête pour jodi a pour me connait qui j'en pour me préparer. Mais bien-aimé, c'est vrai. Le livre de l'Apocalypse, c'est pas un livre qui est facile pour nous comprendre, c'est vrai. C'est vrai. Mais malgré tout symbole ou bien toute vision et plus ou moins difficile ça yo pour nous interpréter, eh bien, qui ça nous capable de dire aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que message, le message d'ensemble, message qui traversait tout livre Apocalypse là, eh bien, il n'y a pas d'objectif pour lui cacher nous quoi que ce soit. Par contre, si peut bon Dieu saisir samedi à là. Amen. Amen. Message d'ensemble, message central, message qui traverse tout livre Apocalypse là, il n'y a pas gagné objectif pour lui cacher nous quoi que ce soit. Mais plutôt pour le révéler nous et pour le faire nous connaître. Nous-mêmes, qui c'est l'église Christ là. Nous-mêmes qui c'est peuple, et mais pour faire nous connaître que ça nous tendait là yo, ça qui vient joindre nous là yo, ça que nous lit là yo, et bien yo certaine et yo vrai. Donc je dis à la vie ou n'est pas fondée sur une abstraction. La vie ou pas fondée sur parole en l'air sous parole vague, sous voyez monter. Non. La vie est fondée sous une certitude que parole bon Dieu parlait là-haut,
la fait que parole bon Dieu parler là yo et l'a fait ça le voyer le faire et que l'histoire a privé atteindre objectif li lorsque Jésus-Christ va retourner dans gloire li lorsque il va retourner en gloire l'histoire a atteint objectif li mes bien-aimés amen amen merci Seigneur amen. Merci, donc, frère Semio, l'autant des paroles ça yo, c'est pas paniquer pour paniquer. C'est paroles qui sont vraies. C'est préparer pour préparer. Et ça fait, vous pouvez regarder le Seigneur, le regarder toute parole ça yo, mes bien-aimés. Toute parole qui a rapport à le Seigneur qui a parlé à travers des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Vous pouvez regarder, songez bien, ça que t'es dit dans Apocalypse 19, le verset 10. Songez qui ça le dit. Il te dit, moi là, je suis comme athée pour m'adorer lui. Mais il dit, non, pas fait ça. C'est servi, m'a servi mon Dieu, ensemble avec vous. Ensemble avec tout frère yo, qui kembe parole Jésus a bien fait. C'est bon Dieu pour adorer. Parole Jésus a c'est lui-même qui n'a bouche prophète yo. Ouais. À qui ça fait allusion là mes bien-aimés? Parole bon Dieu c'est lui-même qui n'a bouche prophète yo. Prophète yo pas parler de par eux-mêmes. C'est que ou même jodia qui se disciple Jésus, qui se serviteur bon Dieu et pas de tête ou on parler c'est pas tête ou non, vous montez c'est pas parole pour on parler non. C'est que pas capable parler n'importe bagaille. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc toute parole ça au cap d'où le Dieu des esprits des prophètes, il fait référence à inspiration j'aime te dire dans à prophète ancien testament yo, il fait référence à inspiration prophète nouveau testament, il fait référence à toute prédicateur de l'évangile de l'époque de Jean tout. Parce que tout monde qui t'a parlé, tout prédicateur époque ça yo, et ben c'est pas de tête yo, c'est pas yo même qui t'a parlé, c'est bon Dieu qui met parole dans bouche yo. C'est bon Dieu qui met parole dans bouche yo. Serviteur a jodi a ou a parlé, bon Dieu servi avec ou pour parler. Bon Dieu servi avec ou pour parler. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous avons mes bien-aimés? Amen. Donc, lorsque le Seigneur vous les anges lit, eh bien, les anges lit, c'est que, où est-ce qu'elle te dit nous, c'est pour révéler nous les choses. Mm-hmm. Où elle te montre nous en Apocalypse 1er, Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, lui montre nous ça. Les anges lit vous pour révéler, pour montrer nous. Yes. Merci Seigneur. Et pour montrer nous qui ça? Son privilège que je dis à vous capable de connaître qui ça peut arriver demain. Son privilège en tant que serviteur, le Seigneur vient révéler où ça peut arriver. Ça que même tout le monde pas besoin. Le Seigneur parle avec moi, il dit ça que pour faire. Mais si il n'en pas. Il y a antenne moins. Le Seigneur parle, lui révéler ça que pour faire. Il dit ça que pour arriver. C'est ça lié, si vous observez le Seigneur, Seigneur, gué pour le parler avant. La parler avec vous, mes bien-aimés. La parler avant. Yes. Alléluia. C'est seulement sans condition pour mettre vous, pour le Seigneur capable de jouer nous pour le parler avant. Pour le Seigneur capable, bah où, il est capable de révéler vous les choses cachées. Car lorsque il dit les choses qui doivent arriver bientôt, le Seigneur vient faire nous connaître qui ça gagne pour arriver. Est-ce que pour tout le monde, il pas pour tout le monde. Est-ce que le bon Dieu révélé là tout le monde, il pas révélé là tout le monde. Il pas parlé à tout le monde. Alléluia. Et ça fait ou pas le comprendre. Lorsque le Seigneur vient faire nous, il vient révéler, il vient bailler Jean parole ça pour nous aujourd'hui, nous vient joindre parole ça mes bien-aimés.
Li di nou ki jan sa pral pase. Li di nou ki jan evenman yo pral deroule. Et puis li di nou nou menm men comment pou nou prepare nou. Parce que Seigneur la retourné. Li dou retour certain. Li vrai, li véritable et la privé. Et pas oublier mes bien-aimés. Tout moun n'a ton. Depuis époque parole ça t'a parlé, yo t'a pensé Christ a tourné même côté là. Yo t'ai déjà metté dans tête yo que c'est dans période pa yo Christ a retourné. Et ça fait une tension dans Nouveau Testament entre qui ça? Te gon tension dans époque ça entre l'option et venu Seigneur qui t'a fait qui et option retour à l'éprouvis. Et tout le monde est quitté, là quitté dans un survenance préalable de quitter un retour planifié, retour qui a précédé par un ensemble d'événements. Retour qui a précédé à un ensemble d'événements, hein, des monde qui était pour ça, des monde qui même qui était branché, qui était quoi, retour à l'éprouvisse, qui t'a fait rapide. Mais qui ça te dit non? En tant que chrétien, en tant que croyant, eh bien, on doit être fidèle, on doit être fidèle et actif. La paix, bon Dieu avec vous. Amen. Parce que entre option retour à l'éprouvisse et survenance préalable de certains événements dans l'histoire avant le retour proprement dit, eh bien, faut qu'on reste fidèle, faut qu'on reste attentif. Parce que Matthieu 24, banon. Ou te wage moun ki te pense que royaume là yo te considéré comme étant futur ou gen ki considéré royaume là comme étant présent. Et ça fait la Bible li montre nous ça, li montre nous, li indique nous clairement tout ça nous te étudié li, tout événement qui gen pour arriver eh bien avant Christ retourner. Un ensemble d'événements qui vient pour produire. Notez pas l'odeur déjà. Donc, mère bien-aimée, en gros, c'est là que nous y est. Donc, nous avons campé là pour aujourd'hui, pour nous garder que deuxième partie, ça, que nous apprenons du verset 6 au verset 13 là, et aujourd'hui, nous prenons verset 6 là, et semaine prochaine, nous allons continuer. Donc, mettez, comprendre, témoignage Zangelin, comprenez bien, parce que bon Dieu servit avec Zangelin, même Jean autrefois, il était confère. Il fait servir avec Zange beaucoup de Daniel, il était voué Zange beaucoup de Zacharie, et pour te annoncer la naissance petite li, Jean-Baptiste, il était servi à Christ lui-même pour te fortifier dans l'agonine, il était servi avec Zange pour à Pierre pour te faire sortir dans la prison. Lorsque l'ange n'est cependant, l'ange, comprenez bien, oui. Mais c'est ça qui fait, faut qu'on fidèle, faut qu'on ait discernement. Pour qu'on ait qui ange qui vient beaucoup tôt. Parce que, l'ange n'a pas un garant d'authenticité, non, mais bien aimé. Ça est extrêmement important, oui. Et ça fait grand pile monde capable d'adorer anges, capable d'adorer statues. Ou elle dit nous, lui dit ça là, oui, pas adorer. Pas adorer. C'est bon Dieu pour adorer. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, mes bien-aimés, mettez ça bien en tête que la Bible qui nous montre, document qui nous montre là, eh bien, la Bible, c'est un livre des certitudes. C'est le livre des certitudes. Pas de menti la donne. Et dernier chapitre que nous la donne là, de livre ça, dernier livre là, dernier chapitre qui est dans le dernier livre là, eh bien, Livin, mettez-nous clé. Parce que l'on parle, il faut parler avec certitude. Certitude. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc mes bien-aimés,
comprendre que nous fondons la vie, nous, en tant que serviteurs, servants de mon Dieu, la vie nous fondée sous certitude, parole, mon Dieu. Sous certitude que parole que mon Dieu parlait, parole que mon Dieu prononçait, parole que le dit, eh bien, la fait, et pour ça, le vous et le fait, la fait. Amen. Que mon Dieu bénisse nous, que étude soit capable de bénédiction pour vous, et que le Seigneur soit capable d'aider vous à mettre les paroles ça en pratique jusqu'à ce que Christ va retourner pour venir chercher vous pour capable arriver dans la nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. C'est un plaisir pour nous d'être ensemble. Un grand merci à chacun de nous. Que le Seigneur bénisse nous abondamment.